Je ne sais jamais comment commencer mes vidéos et c'est le même problème chaque semaine, mais je n'apprends pas de mes erreurs puisque je ne cherche jamais quelque chose à dire en début de vidéo, donc vous allez vous contenter d'un bonjour. Pour ceux qui l'auraient remarqué, j'espère que vous l'avez remarqué, sinon je le prendrais super mal et en ce moment il ne faut pas me faire du mal puisque je suis à ça. De pas faire grand chose, puisqu'il faut savoir que je parle beaucoup de mes envies suicidaires, mais je n'ai pas beaucoup de courage donc. Mais surtout, n'oublions pas que je procrastine. Qu'importe ce que je dois faire, je le remets toujours à demain. Et le lendemain, qu'est-ce que je fais? Je le remets au lendemain. Donc, de toute façon, ne vous inquiétez pas, même si je vais mal, c'est pas devant la veille que je vais acheter une corde et un tabouret. J'étais pas là la semaine dernière, étant donné que, bon, déjà, de un, il y a des fois où je n'ai rien à vous raconter. Hein, je sais qu'il y a des gens qui m'ont envoyé des DM en mode Louis, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas sorti de vidéo la semaine dernière. Personne n'a dit ça. Je ne sais pas pour qui je me prends, mais je n'ai reçu 0 DM. D'ailleurs, on en parlera plus tard, mais... Et vraiment, juste la semaine dernière, j'avais rien à vous dire. J'avais pas forcément envie de parler d'un sujet. Je sais que j'avais fait des stories sur Instagram où j'avais parlé du thème du Met Gala qui est Karl Lagerfeld, alors que ce boug, c'est vraiment un type infâme, vraiment. Hein. Mais bon, c'est une icône de la mode, comme aiment bien dire les fashionistas. Et j'avais fait des stories pour parler un petit peu de cette personne. Hein. Grossophobie. Anti-migrants en avaient marre du mouvement MeToo, misogyne et j'en passe. Et les gens m'ont dit, mais Louis, parle-en sur YouTube, ce serait super intéressant. Et franchement, en fait, il y a des semaines où c'est vrai, j'ai envie de prendre un sujet et un petit peu faire mes recherches dessus et vous en parler. Et il y a des fois, franchement, c'est pas que j'ai la flemme, c'est juste, je trouvais pas ça forcément hyper intéressant d'en parler sur YouTube, étant donné que le type en question est mort. Voilà. Donc, qu'il repose en paix. Je sais pas forcément, mais qu'il repose quand même en paix. Cela dit, on respecte un minimum. Oh, je sais pas si on doit respecter tous les morts en vrai. Il y a des morts. Bon, bref, qu'il repose en paix. On va pas partir sur un débat claqué comme ça. Je vous ai pas forcément dit ce que j'allais faire dans cette vidéo, mais pour ceux qui n'aiment pas voir les gens se plaindre ou parler pendant genre 20 minutes sur YouTube, cassez-vous. J'ai vécu une semaine la semaine dernière et en ce moment même, je vis des semaines. C'est dingue, hein. C'est fou parce que je ne sais pas. Quel daron j'ai baisé hein, pour avoir une malchance comme ça. Comme vous le savez, ou pas peut-être, je ne fais pas grand-chose de mes journées, à savoir rien du tout. Enfin si en ce moment je regarde Murder. Je crois que j'ai commencé ça dimanche. Et nous sommes aujourd'hui le samedi 13 mai, et donc en moins de 7 jours, j'ai regardé 4 saisons de Murder. C'est à peu près, il me semble, 15 à 16 épisodes par saison de 40 minutes. Faites le calcul, j'ai pas du tout envie de le faire. Mais bref, j'ai pas envie d'en parler. Enfin si, j'ai un peu envie de parler de Murder parce que c'est une bête de série. Honnêtement, c'est une putain de série. Et je pense que ça sera mon prochain trait de personnalité pour les prochains mois. Donc bah restez connectés et surtout préparez-vous. Puisque je vais être insupportable. Sachant qu'une fois que je vais finir Murder, je vais commencer Scandale. Pareil, ça ce sera un mes traits de personnalité, mais bon, encore une fois, vous avez un peu de temps. Oh, quoique. Je ne sais pas combien de saisons comporte Scandale, mais il y a moyen que je graille ça en 2-3 semaines, même pas. Hein. Laissez-moi 10 jours, ne jamais donner un challenge à quelqu'un qui n'a pas de travail. Déjà, pour vous donner un ordre d'idée, ma semaine dernière commence avec le fait que mon téléphone me lâche. Et là, vous allez peut-être me dire, mais Louis, ce n'est pas grave, ce n'est que du matériel. Je l'entends, et je suis d'accord avec vous. Cela dit, il ne m'a pas lâché. En mode, il a juste cessé de fonctionner. Non. Donc voici mon téléphone. Comme vous pouvez le voir, il est encore en vie, l'écran n'est pas cassé. Enfin, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Il a simplement décidé de ne plus rien capter. Je ne peux plus recevoir de SMS, je ne peux plus appeler, je peux être connecté à Internet avec la Wi-Fi, mais je n'ai plus de 4G, je n'ai plus rien. Et donc c'est un iPhone 12 Pro Max que j'ai acheté il y a 2 ans, sachant que j'en avais acheté un il y a 2 ans, que je me suis fait voler 2 mois après à la sortie d'une boîte, puisque une de mes amies s'est faite droguer. Je prenais soin d'elle, j'avais mon téléphone dans la main pour commander un Uber qu'on rentre chez moi. Et quelqu'un est passé et m'a dérobé mon téléphone. Moi, évidemment, je n'allais rien faire puisque ma pote était à côté de moi en train de vomir. Je n'allais pas faire grand chose. Quelques mois après, mon ordi me lâche. Ordi qui me sert pour faire mes montages, tout ça. Bref, j'ai dû en racheter un plein pot. Donc, je vais pas vous mentir, quand j'ai vu que mon téléphone avait un problème, je n'avais aucun espoir. Voilà, j'ai pris rendez-vous chez Apple. Je suis arrivé. Le monsieur prend mon téléphone. Il me dit, oui, bah là, c'est pas réparable, hein, juste il faut en racheter un. Pourquoi? Tous les appareils électroniques que j'ai en main décident de me dire d'aller me faire foutre. Mon dernier téléphone, donc celui avant celui-là, je l'ai gardé 5 ans. C'est un iPhone 10 et vraiment, je fais assez attention à mes appareils électroniques puisque bon, je suis pas du genre à les jeter contre un mur quoi. Qui m'a lancé l'œil comme ça? Non mais désignez-vous, hein, parce que je sais que vous faites partie de ce public qui est en train de me regarder. J'ai filé chez Bouygues Telecom, ils m'ont prêté un téléphone pour un mois et je compte bien le garder un mois avant de racheter un téléphone quand des courses pour 3 jours me coûte 35 euros. Franchement, acheter un téléphone, c'est le dernier de mes soucis. J'ai oublié de vous mentionner quelque chose, c'est qu'avant de prendre rendez-vous chez Apple, enfin, j'avais pris le rendez-vous pour le lendemain, mais comme je suis quelqu'un qui n'a aucune patience, il était 22 h. Donc je me dis, tu sais quoi, Louis, tu vas chercher sur Internet, ça se trouve, tu peux faire quelque chose de toi-même. Et là, je vois que sur un forum de merde, on propose un logiciel qu'on peut acheter. C'est 47 euros la licence pour un mois, et apparemment, vraiment, ça fait des miracles. Ensuite, je cherche sur un autre forum d'avis à propos de ce même logiciel et les gens sont là en mode arnaque, arnaque, franchement, ne téléchargez pas, ça n'a rien fait, j'ai juste perdu mon argent et en plus ils ne remboursent pas. Mais comme je suis vraiment le plus grand des cons, j'ai quand même payé le logiciel 47 euros.
pour le mois. Pour qu'au final, évidemment, il ne répare absolument pas mon téléphone. Donc j'ai perdu un téléphone et 47 euros. Puisque là, je suis en train de parler avec le service client qui sont en train de me dire d'aller me faire foutre et qu'ils ne vont évidemment pas me rembourser. Donc déjà là, vous pouvez un petit peu comprendre que franchement, la semaine dernière, j'avais pas la tête à vous parler. J'avais la tête à parler à personne. Ensuite, quelques jours après, je reçois un mail. Encore une fois, ceux qui me suivent sur Instagram ont déjà pu lire le mail puisque j'ai mis un bout en story Instagram et les réponses étaient en mode mais Louis, va porter plainte, espèce de grand fou, pourquoi tu rigoles de cette situation? Et je vais juste vous lire le mail parce que je sais pas comment vous expliquer à quel point c'est lunaire. Déjà, le titre du mail, c'est menace. Je suis surnommé Kill. J'effectue toutes sortes de services, notamment en destruction de biens et de blessures. En gros, tout sauf le tournage. Les raisons principales sont souvent le rejet de l'amour ou de la concurrence sur le lieu de travail. Cette semaine, le client m'a contacté avec toutes vos coordonnées et m'a confié la mission d'éclabousser de l'azote, élément chimique de numéro 7 de symbole M, sur votre visage. Pratique par défaut, rapidement, douloureusement, pour la vie, sans trop de bruit. Ceci pour une forte somme à verser sur mon compte après mon forfait. Je vous informe que j'ai des informations sur vous, sur vos itinéraires, heures, déplacements, etc. Ainsi, maintenant, je vous propose de me faire une proposition afin d'être inactif. Je propose cela à presque toutes les victimes. Si je ne reçois pas l'argent de votre part, je remplirai ma mission sans faille. Si vous souhaitez collaborer, en plus de mon inactivité, je vous fournirai toutes les informations sur le client et concernant le mobile pour lequel cette personne vous en veut. PS, vous pouvez essayer de vous plaindre à la police, mais je ne pense pas qu'elle puisse résoudre vos problèmes car je surveille tous vos gestes. Veuillez me répondre par email si vous souhaitez coopérer. Vous avez 48 heures pour prendre une décision. Alors, comme vous pouvez vous en douter, ça fait plus de 48 heures que j'ai reçu ce mail et évidemment, je suis toujours en vie. Rien ne s'est passé, mais j'ai trouvé ce mail hilarant. Déjà, je l'ai reçu à 5h du matin et moi, étant donné que je suis l'un des plus gros chômeurs de France, je ne dormais pas, je regardais Murder, bien évidemment. Je reçois ce mail, je l'ouvre. Je lis le mail et je me dis s'il vous plaît non hein. Enfin, c'est pas très gentil de faire ça. Franchement là j'en rigole, mais je vous avoue que quand j'ai reçu le mail, en fait surtout à 5h du matin, vous voyez il fait nuit, en plus je regarde Murder en ce moment, c'est une série sur une prof slash avocate qui est à son compte et qui décide de prendre 5 de ses étudiants pour faire partie de son cabinet et l'aider sur des affaires, sauf qu'il y a plein de choses qui se passent, des meurtres, etc, etc. De toute façon je ne vous spoil pas, ça c'est le premier épisode. Enfin bref, donc il est vrai que quand j'ai vu le mail, j'étais un petit peu en mode ça va pas à tête, enfin s'il vous plaît ne me faites rien, je suis trop jeune pour mourir. Mais c'est évidemment une arnaque pour essayer de soutirer de l'argent aux gens et je me dis est-ce que ça a déjà marché? Ne parlons même pas de la syntaxe des phrases, de la construction du mail. Enfin vraiment, il faut le déchiffrer pour le comprendre et je trouve ça quand même dingue. Parce que bon, si tu veux arnaquer les gens et te faire de l'argent, écoute, je ne suis personne pour juger. Je gagne ma vie pour l'instant sur internet. Fais ce que tu veux pour gagner ton argent, mais s'il te plaît, au moins fais les choses bien. Ouais, après, il y a aussi le fait que bon, je n'ai pas d'argent à donner. C'est-à-dire, lui qui veut me soutirer de l'argent, moi qui a vraiment 1,50€ à lui donner, enfin surtout que j'ai un téléphone à racheter, j'ai autre chose à foutre, d'accord, que avoir peur pour mon visage. Mais surtout ce qui m'a fait tilter, bon tout m'a fait tilter hein, vraiment, mais c'est je connais tous vos déplacements. Alors comment vous dire hein, que je ne me déplace pas. Donc ces dernières semaines je sors très rarement de mon appartement, à part pour voir des potes des fois et prendre des verres, mais ça reste quand même très rare hein, je reste enfermé chez moi. Quoique non, mardi de cette semaine j'ai été faire une visite d'appartement. Et oui, après des mois de recherche d'appartement, j'ai fait ma première visite. Et là, vous allez vous dire, mais Louis, tu te fous de notre gueule, ça fait des mois que tu cherches un appartement, tu n'as même pas fait une seule visite. Non. Laissez-moi tranquille, d'accord, j'ai des critères. Je vous rappelle que je suis dans un appartement qui comporte des champignons. J'ai des traumatismes avec les appartements parisiens, et donc j'ai énormément de critères, et il y avait... zéro annonce qui correspondait. Et même s'il y avait des annonces qui correspondaient, je les appelais, on me disait bah non, il y a trop de dossiers, là on est en train de faire les visites. Donc rappelez peut-être vendredi, ça se trouve on aura des nouvelles visites. Bref, c'est un appartement dans le 11e, 25 mètres carrés, deux pièces, vraiment trop mimi. Je me lève à 9h, j'y vais, j'ai préparé tout mon dossier. Je me dis bon Louis, là il faut vraiment que tu donnes le meilleur de toi-même. Il faut que tu fasses bonne impression, il faut littéralement que tu suces l'agent immobilier hein. Voilà, parlons du bon français et du français très clair. J'ai même mis un pull à capuche Sandro Paris que j'avais eu il y a je sais pas 3 ou 4 ans et c'est un pull qui m'a été offert justement par Printemps. Donc vraiment ça date hein. Parce que je me suis dit peut-être que l'agent immobilier va reconnaître Sandro et va se dire ça c'est un pull qui coûte cher. J'arrive, je visite l'appartement, je me dis waouh, il est super frais, trop bien et tout. Je descends et avant de parler à l'agent immobilier, enfin l'agent immobilière, je ne sais pas comment dire puisque c'était une femme. L'agente immobilière. Avant de parler à la dame, il y a encore une personne qui lui parle et elle est en train de dire « Alors, par contre, par rapport au dossier, mon père est policier et ma mère est je ne sais plus quoi, mais je crois que c'était avocat ou je sais plus, mais bref, une bête de profession. Elle était hyper bien habillée. Un peu genre style tonique, vous voyez. Avec plein de couleurs, mais des marques en mode, je pense que c'était Sandro ou un truc comme ça, mais vraiment toute sa tenue, c'était super beau quoi, elle avait un petit trench et tout. Et je me suis dit vraiment, Louis, tu vas pas à cet appartement. Ce n'est pas possible, tu portes un pantalon qui est 4 fois trop grand pour toi. Et surtout, tu as pris la pluie, tu as une mine épouvantable, tu as des cernes qui vont jusque là. Tu n'auras pas cet appartement. Mais bon, j'ai quand même essayé de mettre les choses de mon côté. Je suis là en train de poser des questions à l'agent immobilier en mode le chauffage c'est individuel, hein, c'est ça. Ouais. Et c'est bien isolé à peu près l'appartement. Enfin vraiment, dans ma tête je me suis dit mais enfin... C'est bien hein, tu tentes, mais des fois il vaut mieux peut-être te taire. Et j'ai reçu la réponse jeudi qui me disait que je n'avais pas été retenu pour avoir cet appartement. Donc c'est-à-dire que je peux encore une fois aller me faire foutre. Je vous jure, il y a des semaines comme ça,
Donc je me dis, mais arrête d'essayer. Juste arrête. Point. Mais surtout cette semaine et la semaine dernière, j'ai eu des jours où vraiment, je sais pas si vous avez ça aussi, mais bon, j'ai un peu des antécédents de dépression. Hein. Je pense qu'on est tous un petit peu au courant sur cette chaîne de ma santé mentale effrayante. Et là, ça fait 2 semaines qu'il y a des jours où vraiment je me dis, mais Louis, mais là, la vie n'est pas faite pour toi, pourquoi tu es encore en vie, ça ne sert plus à rien. Et le lendemain, je me réveille et je me dis, ah non, en fait. Et ça, c'est tous les jours. Vraiment, je me réveille et je me dis, mais j'étais complètement dingo hier, quoi. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Je me dis, oui, je vais arrêter YouTube et je vais juste rentrer chez ma mère et je vais plus rien faire de ma vie. Et j'arrête d'essayer, de toute façon, je n'aurai jamais une belle vie, je m'aimerai jamais. Et ensuite, le jour d'après, je me dis, mais mon garçon, tu es complètement fou. Mais voilà, c'est un petit peu mon état mental de ces derniers jours. Mais je vais pas vous mentir aussi, le fait est que quand je ne sais pas de quoi parler sur YouTube, quand je n'ai pas d'idée, quand je passe toute ma semaine à me dire « Ok, là tu n'as toujours pas de sujet pour dimanche », eh bien j'ai peur. J'ai peur puisque je me connais. Et moi je marche en cycle, c'est-à-dire soit je suis actif sur YouTube toutes les semaines, je ne rate aucun dimanche, soit je pars pendant 6 mois. Et donc même si j'ai envie de sortir une vidéo YouTube, je sais pas de quoi parler. Et le fait est que c'est cool hein, les vidéos où je me pose, je parle et je vous raconte ma vie, mais je peux pas faire ça toutes les semaines. Voilà. Le problème, c'est qu'il y a un moment où je peux pas juste poser ma caméra et vous regarder pendant 20 minutes comme ça. Il y a des limites, hein. Profitez de pouvoir respirer tranquillement, puisque quand je vais trouver mon appartement, et je vais le trouver, d'accord? Je manifeste tous les jours. Dès que je vois une heure miroir, 16h16, 17h17, 20h20, je touche mon nez et je me dis, trouver un bel appartement sur Paris. Une fois que j'aurai cet appartement, vous n'allez plus respirer. D'accord? Ça va être des vidéos où vous allez me suivre aux puces pour trouver des meubles. Je vais faire des DIY, je vais faire ma décoration, je vais faire plein de trucs. Voilà, c'est bon. Là, il y a une nouvelle raison de vivre dans ma vie. Ah oui, aussi, je suis de retour sur Tinder. Vraiment, insérer la vidéo de moi que j'ai sortie il y a quoi? Il y a un mois ou un mois et demi. Où je dis, je cite, il va se passer de longs mois, beaucoup de mois, avant que je réinstalle une application de rencontre. Il s'est passé même pas 2 mois, mon grand. Donc, ah, tu t'essayes de faire croire ça à qui? Bah oui, oui, écoutez, je me sens seul. Hein. Ça arrive à tout le monde, d'accord? C'est des choses qui arrivent. Et puis même les sujets en ce moment, bon, ça donne pas forcément matière à en parler. Les Jeux Olympiques, l'organisation est désastreuse. Au-delà des bénévoles, qui vont faire du 35 heures par semaine, si ce n'est plus. Ça, écoutez, j'ai un avis. J'en ai parlé sur TikTok et il y avait plein de monde qui m'ont dit « Non, mais pense aux passionnés de sport, ce sera un plaisir pour eux. » Super, soit. Maintenant, il y a des appartements du Crous qui vont être réquisitionnés pour les Jeux Olympiques. C'est-à-dire que des étudiants vont être mis dehors pour accueillir d'autres personnes dans leur appartement. Sauf que ces étudiants-là qui seront mis dehors, ils seront relogés. Plutôt que de les laisser dans leur appartement du Crous et les logements qui étaient destinés aux étudiants qui vont être délogés, les donner aux Jeux Olympiques. Enfin, mais ça, justement, c'est pas un sujet qui tient sur une vidéo YouTube. Si, il y a aussi l'ouverture du pop-up store de Shein qui nous a valu des débats. Et le fameux débat Shein, enfin, fast fashion vs friperie. Oh, pas encore, vraiment pas encore. Je sais pas vous comment ça se passe, votre vie en ce moment, mais j'espère qu'elle se passe bien. En ce moment, je développe une addiction aux pommes. Vraiment, j'en mange 3 à 4 par jour. Et c'est uniquement parce que j'ai la flemme d'aller en chercher. Et vraiment, mes pommes préférées, avant c'était les Pink Lady. Maintenant, je ne peux plus en manger. Je sais pas, je trouve que le goût est trop sucré, ça me dégoûte un peu. Donc mon top 1, c'est les Golden. Je trouve qu'elles en font pas trop. Elles sont juste là, elles sont bonnes. Certaines sont juteuses, elles sont sucrées, mais sans plus, elles sont juste délicieuses pour moi. Bon, évidemment, je suis sur Tinder, mais j'ai fait 0 date jusqu'à maintenant, étant donné que ça n'a pas changé. Voilà, ça n'a pas changé. Je ne réponds toujours pas aux messages. Enfin, si, je réponds à certains messages. Mais au-delà de ça, je n'en envoie jamais. Voilà, ça, c'est un petit peu mon problème. Ah si, en ce moment, sinon, j'ai une idée. Ce serait d'arrêter la clope. Voilà, j'aimerais bien essayer de diminuer. Enfin, en vrai, j'ai diminué. Je fume plus un paquet par jour, pour être honnête. En gros, quand j'ai sorti ma vidéo, je réponds à mes commentaires méchants en faisant un cake là. Je sais plus exactement le titre, mais c'est un truc comme ça. Pour faire le montage, j'ai été au café avec une pote. Et pendant mon montage, il y avait 2 potes qui se sont rejoints en fait en face de nous. Enfin, des gens qu'on ne connaissait pas. Et l'une des 2 personnes a dit, moi depuis que j'ai arrêté de fumer, je me porte super bien. Et en fait, pour arrêter de fumer, à chaque fois que j'avais envie de fumer une clope, je mangeais une pomme. Et vraiment, ça doit faire 2 semaines, 3 semaines, voire 1 mois que cette vidéo est sortie. Et je vous assure que ce propos n'est pas sorti de ma tête. Et je me dis, c'est peut-être ça la solution. Parce que en plus, en ce moment, j'ai une obsession avec les pommes. C'est-à-dire, à chaque fois que t'as envie de fumer, tu manges une pomme. Tu prends des patchs à la nicotine que tu vas te coller ici. Mais après, je me dis aussi que le problème, c'est que dès que je vais sortir en soirée ou dès que je vais avoir des amis au café, c'est là que ce sera vraiment difficile. Et il y a aussi le matin. Parce qu'en vrai, je fume pas forcément beaucoup le soir. Mais le matin, café clope, j'en fume trop. J'en fume beaucoup trop. Mais après, c'est aussi parce que j'ai pas de travail. Parce qu'en vrai, les années où j'avais un taf, je fumais moins que ça le matin. Donc je me dis aussi, pour arrêter de fumer, il faudrait peut-être que je sois beaucoup plus actif. Mais je vais peut-être essayer. Je peux peut-être que je vais me donner un challenge en mode
une semaine pour arrêter de fumer. Il y a aussi mon anniversaire qui approche. Je suis né le 31 mai pour ceux qui demandent. S'il vous plaît, ne me le souhaitez pas. Et c'est pas une blague, hein, je dis pas ça, mais je déteste le jour de mon anniversaire. Je déteste le fait qu'on me souhaite mon anniversaire. Enfin, je vais être très content hein, d'avoir l'argent de ma famille comme cadeau. Ça va être cool, hein, parce que ça va me servir à me racheter un téléphone, clairement. J'ai pas envie de vivre cette journée-là, je vous le dis. Mais du coup, ça veut dire que je vais aller dans ma famille, je vais aller en Normandie. Ça au moins, ce sera cool. Mais au-delà de ça, en ce moment, vraiment, sinon ma vie est plate. Je vais pas vous mentir, hein, y a pas de... Mais c'est là où en vrai la santé mentale c'est pas des lol. Bah c'est que c'est pas si facile que ça en vrai. Quand je suis chez moi, genre y a par exemple des jours où je me dis ah putain mais oui ça sert à rien de vivre et tout. J'ai une pote qui m'envoie un message, qui me dit ouais ça te dit d'aller prendre un café. Je sors de chez moi et là ça va mieux. Puisqu'il y a aussi le fait que je sors très peu de chez moi. Et vraiment quand je sors dans le monde extérieur, je me dis bah en fait c'est pas si deep que ça. Tes problèmes ne sont pas si importants. Mais pour ça il faut sortir de chez soi. Encore hier soir j'ai annulé le fait de voir des potes, parce que je me sentais pas de sortir de chez moi. Et pourtant je suis le premier à dire, ouais, l'anxiété vraiment dans la marque, que vous en parliez, mais yes. En vrai, n'hésitez pas à me suggérer des vidéos. Hein. Je dis ça en étant très sérieux. Si vous voulez voir des vidéos en particulier sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire. J'ai tellement hâte de finir cette vidéo et de regarder encore une fois un épisode de Murder. En plus, ne parlons même pas du temps là. Le printemps, il est où? Il est où le printemps? Elle est où ma saison préférée? En vrai, c'est super qu'il pleuve. Hein. Les sols sont super secs et tout, et c'est bien. Mais venez, on alterne. Un jour où il pleut, un jour où il fait beau, un jour où il pleut, un jour où il fait beau, ce serait sympa. Sachant que je vous ai même pas dit, mais le jour de mon anniversaire, j'ai passé des concours pour une école. Oui, parce que peut-être qu'en septembre prochain, je serai à nouveau scolarisé. Ah, dingo, n'est-il pas? Je vais pas vous mentir, ça me fait stresser ça aussi. Hein. En fait, d'un côté, tout m'angoisse et je remets tout à demain. Mais de l'autre, j'ai envie de reprendre ma vie en main. Donc c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a une espèce d'ambivalence qui se fait là. Et je demandais à une pote de l'aide, très clairement, je vais pas vous mentir. Hein. Mais il y a aussi le fait que cette école... elle soit pas forcément en lien avec mes valeurs. Je sais pas comment expliquer ça. Mais de l'autre côté, quand j'essaie de chercher un espèce de trajet scolaire qui pourrait être en lien avec mes idées et tout, ce serait par exemple la sociologie. J'adore la socio. C'est un truc, j'adore ça. Le fait est que les débouchés ne m'intéressent pas. Et ça fait aussi très longtemps que je suis sorti du truc scolaire, quoi. Et je me dis, recommencer avec la fac, Louis, tu ne vas jamais y aller. Tu ne vas pas y aller et tu vas... échouer tout simplement. Là où une école c'est beaucoup plus... bah, c'est plus stable quoi. Et surtout ce serait une école avec dès la première année une alternance. Ça veut dire que j'aurais vraiment 3 jours d'entreprise et 2 jours de cours. Au moins ça fait un peu le mix entre les deux, c'est à dire tu reviens à l'école. Mais d'un autre côté tu as aussi un travail donc tu es dans la vie active. Mais je sens aussi que c'est cette année ou jamais. C'est à dire que voilà ça fait des années que je me dis que je vais reprendre les études. Évidemment que je vais me plaindre d'avoir des cours si jamais je suis accepté dans l'école. Et si à la rentrée je rentre dans cette école. Oui, je vais m'en plaindre, bien sûr. Oui, j'en aurai marre, etc. Mais au moins, je me dis, Louis, tu vas arrêter de procrastiner et tu vas faire quelque chose. En fait, voilà, je crois que c'est ça mon problème. Bon, déjà, c'est que bah, je me crée des problèmes et que je suis complètement dingo. Mais aussi, c'est qu'en fait, là, je suis dans un stade de ma vie où c'est un peu transitoire. Bah, je suis en attente d'un nouvel appartement. Je suis en attente de réponses pour mes études. Je suis en attente de tout, en fait. Mais bon, je vais juste arrêter de me plaindre et je vais me bouger le cul. Enfin, voilà, je crois que je vous ai tout dit, hein. Très clairement, tout dit, même trop dit. Il faut aussi que je fasse un tri de mes vêtements. Parce que depuis que j'ai arrêté de surconsommer, il y a genre 2-3 ans, j'ai fait 2 tris, il me semble, Vinted. Mais il faut absolument que je fasse un tri. Parce qu'en fait, il y a plein de vêtements que j'ai gardés bah, de mon ancienne vie de surconsommeur. Des vêtements un peu avec un point d'interrogation. C'est-à-dire que je les ai gardés, même si j'ai fait 2 tris. Parce que je me disais, mais non, ce vêtement, je vais le mettre. Donc là, il y a des vêtements qui dorment et ça ne sert à rien. Enfin bref, voilà. Tout ça pour dire que je vais me bouger le cul. Et c'est tout. Je voulais vous donner des petites nouvelles. Et surtout, bah, j'ai passé la journée à regarder des vidéos YouTube. Et j'ai regardé un petit peu Murder, je vais pas vous mentir. Et comme à chaque fois, dès que je regarde des vidéos YouTube, ça me donne de filmer pour YouTube. D'où cette vidéo. Voilà, donc je sais pas si vous devez remercier les vidéos YouTube que j'ai regardées ou non, mais je ne pense pas. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire de référencement pour améliorer l'algorithme. Ça me fera toujours plaisir. Et comme vous le savez, j'aime bien papoter avec vous dans les commentaires, donc faites ce que vous voulez. Mais s'il vous plaît, apportez-moi de l'attention, j'en ai besoin. Moi qui vous guilt trip, je suis désolé. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne soirée, une bonne semaine. Juste, je vous souhaite de bien vous porter. Voilà, c'est tout. Et c'est déjà beaucoup. Je vous dis à la prochaine, peut-être la semaine prochaine, peut-être dans 2 semaines, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais un peu me bouger. Je sais pas, cette vidéo, ça m'a fait du bien là, de parler. Je me dis, Louis, on arrête de rien faire, on arrête de se morfondre. Parce qu'à chaque fois que je suis un petit peu triste, j'ai l'impression que bah, je refais une phase dépressive. C'est un petit peu ma plus grande peur. Et puis je me connais, hein, dès que je suis un petit peu triste, je me morfonds chez moi, j'arrête de répondre à mes potes, donc je fais plus rien et tout. Enfin bref, c'est un cercle très vicieux. Merci de m'avoir écouté me plaindre littéralement pendant 20 minutes. Je vous fais de gros bisous. Et à la prochaine. Bisous.